apparu juste au moment de la tempête. Je vais vous donner une serviette. Oui, faites vite, Clotilde, j'ai très froid. Le repas est terminé. Je suis un peu en retard. Excusez-moi. J'ai pas 23, j'ai 24. C'est votre frère qui s'est occupé des bougies. Il est décidément à côté de la plaque, celui-là. Ça fait bien 24. Mathieu ne s'est pas trompé. Ah bah oui. Bon anniversaire, Jeanne. Bon anniversaire, Jeanne. Joyeux anniversaire, ma fille. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Un bon d'achat. Pour une robe de bal. Un vêtement sur mesure, quelque chose de digne. Ton père a choisi la couleur. Une robe de bal. Merci. Remercie tes grands-parents, ta mère et Mathieu aussi. Moi, j'ai offert les ballerines qui vont avec. Je t'ai fait un petit cadeau dans mon coin. Merci, Odile. C'est très poétique. Tout à l'heure. 5h10. 5h10. Je suis à la bourre. Et le petit chocolat qu'on devait se mettre. Mais j'ai pas le temps. Tu me remets mon bouquin? Merci. Rue du Vieux Palais, s'il vous plaît. J'ai 15 minutes pour y être. Course contre la montre, c'est 50 balles de plus, hein. Papa? Une petite frite? Elle sent encore chaude. Non, merci. Arrêtez. Laissez-moi descendre. Ça va aller, monsieur? Oh, ça va aller? Oh, ma tête. Je suis désolé, j'ai cru que vous preniez sur la gauche. J'ai vu, lui a foncé dessus sans regarder. C'est quand même malheureux. Il saigne. On va s'occuper de vous. C'est interdit, les vélos, par ici. C'est un vieux monsieur, il a perdu connaissance.
je peux vous proposer la 23. Elle est également très confortable. Bien. Ah, vous désirez la télévision? J'ai ce qu'il me faut. Merci. Au deuxième étage, madame. Odile? C'est toi? Ça va pas, t'es bizarre? Non, mais je me demandais ce que tu faisais là. Je savais pas si c'était toi, c'est tout. C'est une copine de fac qui m'a demandé de la remplacer pour aujourd'hui. Elle est clouée au lit. La réception, ça va pas me fouler, hein. Moi qui devrais te demander ce que tu viens faire ici. La vie secrète de ma sœur Jeanne, peut-être. Ah, t'as rendez-vous avec un bel étalon, c'est ça? C'est pour mon mémoire sur Hoffman. Il a séjourné dans cet hôtel. J'ai rendez-vous avec le gérant. Ah, monsieur Jourdal? Oui, c'est ça, Jourdal. Attends, je te l'appelle. Tu veux une serviette? Non, non, fais. Qu'est-ce que t'as? T'as vu la Vierge? Vas-y, m'attends pas. Oui, j'y pense. Bonne soirée. À la prochaine. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Je revenais de l'église et je l'ai trouvé comme ça devant le téléviseur. J'ai tout de suite prévenu père. Il a fait son malaise en regardant une course de vélo. J'ai bien cru qu'il était mort cette fois. C'est froid.
On n'a presque fini de manger, nous. Allez, viens. Bonjour, ma chérie. C'est la petite sœur. Eh ben alors, c'est le jour de ton anniversaire et tu payes le luxe d'arriver en retard. Hein? T'as de la chance, hein? C'est encore chaud. Moi, je suis en retard, je te colle en cabane pour 10 ans. Bon, qu'est-ce que je déconne? Le toutou de madame le Tarek. Oh, c'est beaucoup plus qu'un toutou, ça. Eh, tu le reconnais pas, c'est celui qui a brillé tout le temps. Allez, reste pas planté là, viens te poser. Allez, rentre ton toutou. Allez, à la niche. Allez, on attaque le poulet. Poulet. Comme c'est frais! Donne la bouteille, Pépé! Champagne! Eh, faut s'activer, hein! Moi, j'apprends mon service à 15h. Oh. Allez, va chercher le gâteau, va! Le gâteau! 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 Il serait peut-être temps que tu montes dans ta chambre maintenant. Il est temps qu'on lui prépare sa surprise! Jeanne, tu rentres à la maison maintenant.